Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mon écran et on va voir ensemble un guide ultime sur le stop loss parce qu'il est vraiment mal placé pour la plupart d'entre vous. Vous ne savez pas maîtriser le stop loss, ce qui fait qu'en fait, chaque fois, vous avez des positions perdantes, touche votre stop loss à chaque fois. Pire encore, qu'ils viennent pile toucher votre stop loss et puis repartir dans votre sens. Sauf que malheureusement, vous avez déjà perdu parce qu'on a touché votre stop loss avant de repartir dans votre sens. Donc je partage mon écran, on est ici en face de l'USD IDX, je vais vous montrer deux graphiques, l'USD UDX et l'euro AUD. Donc ça va être les deux graphiques types. Pourquoi? Parce que avec ces graphiques, pour un débutant, c'est super facile, on va pouvoir utiliser la stratégie de suivi de tendance. Ça va être donc d'acheter en tendance haussière et de vendre en tendance baissière. Un débutant qui ne connaît vraiment rien en trading, c'est la première des choses à faire. Lorsque vous allez vous positionner en tendance, vous avez déjà 70% de probabilité que votre position aboutisse à un gain. Donc l'objectif d'un débutant, c'est vraiment de mettre la plus haute probabilité en son avantage, étant donné qu'il ne va pas pouvoir vraiment faire augmenter sa probabilité avec sa psychologie ou sa connaissance en trading. Donc là, on est vraiment en face d'un graphique en tendance haussière, on est en D1 en plus, donc il est très puissant. On voit vraiment que le support oblique, il fait vraiment son travail. On a touché, on a rebondi fortement. On a retouché ici une seconde fois. On a bien rebondi, encore plus haut. Et là, on a retouché et on a rebondi. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on reste dans le canal haussier. Maintenant, il faut faire attention parce que là, on a eu un point haut, mais ensuite, on n'a plus de point haut. Donc, on est peut-être, même si actuellement, il n'y a pas de signe, mais on est peut-être dans un changement de tendance de haussier à baisser. Donc, il faut faire très attention. Et il faut vraiment absolument que du coup on puisse rebondir pour que les points bas restent de plus en plus hauts. Parce que là pour le moment ça tient, il n'y a pas de souci, mais il faudrait vraiment qu'on puisse rebondir. Une fois qu'on va mettre notre position, là la position type d'un débutant, il est sur ce niveau-ci en fait. Là on voit qu'on a un support, un niveau de support, un niveau de support juste ici et deux niveaux de résistance là. Donc ce serait bien de vraiment se positionner ici pour qu'on puisse avoir un support plus, un support horizontal et un support oblique. Ce type d'analyse, pourquoi je suis occupé de vous expliquer ça, c'est parce que si vous avez un bon point d'entrée, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez un bon stop loss. Mais la plupart d'entre vous, vous avez un mauvais stop loss parce que vous avez peu de connaissances et en plus de ça, vous avez un mauvais point d'entrée. Mais il est très difficile d'avoir un bon stop loss lorsqu'on a un mauvais point d'entrée. Et la clé pour la rentabilité, c'est d'avoir un bon point d'entrée. Si vous rentrez mal, vous sortirez à chaque fois mal. Parce que si vous rentrez en plein milieu d'un graphique, malheureusement, vous n'avez pas le choix de mettre votre stop loss très loin et donc vous perdez déjà beaucoup d'argent et c'est très difficile d'avoir un bon ratio lorsqu'on doit déjà mettre son stop loss de manière assez éloignée des prix. Donc voilà, c'est ce qui pose problème. Donc là, il faut vraiment avoir une condition de trade et de se dire que nous, on veut se positionner sur les 109 962 à tout prix. On ne se positionne pas avant, pas après, on se positionne ici lorsque les prix touchent le niveau donc de double support et clôture évidemment au-dessus du canal haussier. Faut attention, attendre bien les clôtures parce que du coup si vous vous positionnez pendant qu'on touche mais qu'au final on voit qu'on casse et qu'on clôture, c'est un signal baissier et vous aurez pu le voir si vous avez attendu la clôture, mais en règle générale vous ne le voyez pas parce que vous n'attendez pas la clôture de la bougie. Donc on attend vraiment la clôture et on a évidemment, là je vous le mets parce que c'est assez rapide, le take profit. Take profit donc qui est ici. Pourquoi? Parce que c'est donc sur le haut du canal haussier et c'est en fait surtout le point haut précédent. Normalement, on voudrait aller chercher un plus haut, plus haut que le point haut précédent, mais vu que là on est dans une dynamique plutôt baissière parce que les points hauts ne sont plus de plus en plus hauts, on va prendre la sécurité et mettre un take profit à 114-200, histoire que voilà, on ne demande pas à faire un plus haut, on demande juste à retoucher le point haut précédemment. Ensuite, il faut arriver au stop loss. C'est là justement que c'est important. Maintenant, attention, le stop loss est connecté directement au point d'entrée et au take profit. Si votre take profit et que votre point d'entrée est mauvais, vous allez en fait penser que votre ratio sera bon, sauf que du coup, il est quand même mauvais. Donc, il faut faire bien attention et être certain que votre point d'entrée est correct, que votre take profit est cohérent. Ça sert à rien de mettre un take profit à 2 km pour la conscience. Il doit être cohérent. Donc, il doit être touché dans la journée si vous faites du trading, dans la semaine ou dans la semaine prochaine si vous faites du swing, etc. Là, je suis en D1, mon take profit ici, évidemment qu'il ne sera pas touché dans la journée. Ce n'est pas du tout un take profit en day trading. C'est un take profit qui prendra plusieurs jours, voire semaines avant d'être touché. Si j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. Mais si je pensais qu'il allait être touché dans la journée, là, il y a un gros problème. Donc, faites très attention à mettre un take profit cohérent. Ensuite, on arrive à l'étape du stop loss. Le stop loss, il doit vous faire changer d'avis s'il est
touché. Donc si on touche votre stop loss et que vous êtes toujours d'accord avec votre analyse, c'est que votre stop loss n'est pas bien placé. Chaque fois, votre stop loss doit être limite un signal eh bien, pour renverser la situation. Donc là, si je mets un stop loss et qu'il est touché, c'est limite un signal de vente automatique. C'est limite un point d'entrée différé ou un ordre en attente si vous préférez. Donc là, je vais devoir mettre un stop loss qui va ne plus me faire penser que je suis acheteur s'il est touché. Donc là, eh bien, j'ai une solution, ça va être de le mettre ici. Ça, c'est un stop loss qui est correct. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, ça va être donc, s'il est touché, eh bien, ça voudra dire qu'on aura cassé par le bas le support oblique. On voit qu'il a été très peu cassé. Il a été cassé qu'une seule fois ici et vraiment de très peu. Il a été cassé donc de 500 pips sur l'USDIDX, c'est très peu. Donc là, en fait, en mettant un stop loss ici à 1120 pips, je me permets eh bien, de le laisser deux fois plus large à ce qu'il a cassé déjà précédemment. Donc j'ai déjà une grosse sécurité. Donc s'il touche mon stop loss, bah, je ne serai plus d'accord. Je ne serai plus du tout haussier, vu que ça voudra dire qu'on n'aura pas rebondi. Et donc on ne sera plus acheteur en tendance haussière. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième raison, c'est que je l'ai mis en dessous du point bas précédent. Parce que si on touche mon stop loss, en plus d'avoir cassé par le bas mon support plus, donc horizontal et oblique, on aura fait un point bas, plus bas que le point précédent. Et donc, bah, je serai plus haussier parce que un point bas de plus en plus bas, c'est une tendance baissière et plus une tendance haussière. Lorsqu'on va mettre un take profit et un stop loss, il faut qu'il soit cohérent. Et le stop loss, s'il est touché, je dois tout de suite vendre. Mais je ne peux pas me dire que je serai encore acheteur alors qu'on a touché mon stop loss. Donc ça, vous devez vraiment vous le mettre en tête. Si vous êtes toujours d'accord avec votre analyse alors que le stop loss a été touché, c'est que votre stop loss n'est pas bon. Donc là, je vous ai montré ici un graphique D1 un peu plus long-termiste sur une tendance haussière mais avec un point d'entrée en attente parce que le point d'entrée actuel est mauvais. Encore une fois, là, je vous fais un petit exemple vu qu'on est là pour vraiment parler du stop loss. Si vous avez un point d'entrée ici, donc vous n'attendez pas de voir le rebond, vous rentrez ici, vous n'avez pas le choix de mettre le stop loss là. Parce que du coup, si vous mettez votre stop loss ici, il est absolument mauvais. Il est dégueulasse le stop loss là. Parce qu'on peut toucher votre stop loss et rebondir. En mettant ce stop loss là, vous ne vous accordez pas la remise en question de votre analyse. Ici, là c'est OK. Parce que du coup, s'il est touché, ça voudra dire qu'on aura cassé par le bas le support horizontal, cassé par le bas le support oblique, casser ici par le bas le point bas précédent. Et donc, on aura toutes les indications pour nous dire qu'on sera baissier, qu'on aura changé de tendance. Ça, c'est un super stop loss. Mais un stop loss ici, il est super mauvais parce qu'on pourrait très bien le toucher et repartir à la hausse. Et donc, si on le touche, on touche actuellement les prix. Est-ce que je serai baissier? Non, parce qu'on a touché mon stop loss, mais on est toujours dans le canal haussier. Donc, mon stop loss est mauvais. Voilà pour l'USDIDX. C'était le premier graphique. Maintenant, je voulais donc revenir sur le EURAUD qui montre du coup un point de vue assez intéressant. On a ici un canal baissier. On est en H1, donc là, les niveaux d'objectifs sont beaucoup plus court-termistes. On peut avoir des objectifs intraday, voire des trading. Et on a surtout en fait une bougie actuelle qui est assez intéressante. C'est la bougie H1 qui va se clôturer dans 53 minutes, qui va être primordiale. On a ici le canal baissier. On a une stratégie de suivi de tendance. On veut donc mettre un point d'entrée, un take profit et un stop loss. On va d'abord eh bien, suivre la tendance, donc mettre un point d'entrée en cas de vente. Je vais donc avoir un point d'entrée ici. Voilà, ça c'est mon point d'entrée. À condition qu'on clôture bien en dessous de la résistance oblique, évidemment. Si pas, bien, ça sera acheteur. On y reviendra plus tard. Donc là, je veux vraiment attendre dans 53 minutes que les prix clôturent en dessous de la résistance oblique pour rester dans le canal baissier. Et je vais avoir un take profit ici. C'est le premier take profit qui est vraiment puissant parce que du coup, si moi je rentre là, bah, je vois qu'ici on a rebondi, là on a rebondi, là on a eu une résistance, rebond. Donc je sais que c'est un niveau qui est assez puissant. Je vais donc ici avoir un point d'entrée là et un take profit ici à 70 pips. Maintenant, il me faut un stop loss. Le stop loss, je n'ai pas le choix de le mettre ici. Là, c'est problématique parce qu'en le mettant ici, mon point d'entrée est assez bon, mon take profit est assez cohérent et je n'ai pas de bon ratio, je n'ai pas de bonne probabilité. Vous le voyez ici, mon take profit, donc il était à 75 pips, mon stop loss, il est à 62 pips. On est sur un ratio 1-1, c'est pas forcément intéressant. Et pour le coup, j'ai pas trop le choix de le mettre ici, mon stop loss. Et même, je devrais plutôt le mettre ici pour que je sois vraiment certain. Mais je peux pas le mettre, on va dire, plus bas que ce point-là. Pourquoi ? Parce que
il faut que si on touche mon stop loss, je ne sois plus d'accord avec l'analyse du fait de me dire qu'on sera baissier. Donc si on touche le stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé par le haut la résistance oblique et qu'on aura fait un nouveau plus haut et surtout qu'on aura ravalé cette grosse baisse. D'accord ? En cas donc de ravalement total de cette baisse, on va faire un nouveau plus haut et donc on sera sur un début donc de tendance haussière et donc d'une invalidité de la tendance baissière. Ça, c'est un bon stop loss. Et pour le coup, même si j'ai un bon point d'entrée, un bon take profit, un bon stop loss, ça me permet bien de ne pas rentrer en position et du coup de m'éviter une potentielle catastrophe, un retournement ou je ne sais quoi. Alors que si pour le coup vous avez mis un stop loss ici, vous serez peut-être rentré, vous n'aurez pas attendu la clôture, vous rentrez là maintenant, hop, vous faites sauter dans 5 minutes. Et pour le coup, est-ce que si on touche votre stop loss ici, on sera encore vendeur? On n'en sait rien. Est-ce qu'on sera acheteur? On n'en sait rien. Parce qu'il est mis vraiment de façon hasardeuse. Il est au-dessus donc du canal haussier, mais il n'est pas forcément au-dessus de cette consolidation et donc de ce point baissier qu'il faudrait ravaler. Donc c'est ça le plus important lorsque vous faites une analyse en stop loss, c'est de le mettre de manière cohérente. Là, je vais du coup vous donner l'autre scénario, c'est que du coup, dans 50 minutes, il clôture actuellement ici, donc il clôture au-dessus de la résistance haussière. On a vu que ce n'est pas arrivé, hein. Là, on a clôturé en dessous, là, on a clôturé en dessous, on n'a jamais clôturé au-dessus. Donc si dans 50 minutes, on clôture au-dessus du canal baissier, on sera donc en retournant en tendance, donc on aura un objectif ici, et font donc trouver un stop loss. Là, c'est intéressant parce que le stop loss, je peux le mettre uniquement ici. Pourquoi je peux le mettre que ici, donc aussi proche que ça? Eh bien, parce que si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura réintégré le canal. Et le fait de réintégrer le canal, ça suffit à lui seul pour me faire changer d'avis, parce qu'à ce moment-là, on sera dans une stratégie de suivi de tendance, et juste, eh bien, on aura réintégré, et on va aller rechercher le bas du canal baissier. Donc, à la vente, j'avais plusieurs points assez flous, parce que je devais le mettre assez haut, il devait être au-dessus du canal, mais au-dessus de ses points, etc. Donc, c'est assez difficile de mettre une vente. Par contre, je vois qu'à l'achat, ça peut être assez intéressant, parce que du coup, je peux mettre un stop loss très proche, et un take profit qui est du coup super atteignable. Là, on est vraiment sur de l'intraday, en quelques heures ça suffit et on voit qu'on est sur un énorme niveau psychologique, donc je ne risque pas de m'exposer très longtemps et les prix ne risquent pas de se retourner avant de toucher mon take profit. Take profit à 63 pips, stop loss à 31 pips, je suis sur un ratio à 2-1, c'est parfait. Et du coup, là je vais avoir un stop loss qui sera super bien placé grâce à un point d'entrée super intéressant et un take profit qui colle avec un bon ratio. Donc lorsque vous avez justement fait le scénario, donc par exemple à l'USDIDX, à l'achat, le scénario sur EURUSD à la vente ou à l'achat, on verra cette bouche ici, vous êtes certain que si vous faites ça 10, 15, 20 fois, vous aurez beaucoup moins de pertes et surtout, ça va beaucoup moins vous arriver, ce fameux truc où on touche tout pile votre stop loss et qu'après on repart à la hausse. Parce que là, on ne peut pas vraiment retoucher tout pile votre stop loss et repartir à la hausse. Parce que si on touche votre stop loss, ça voudrait dire qu'on aura réintégré le canal. Là, vous mettez une réelle condition puissante à laquelle vous allez attacher justement votre stop loss. Si vous attachez votre stop loss à une condition super puissante, vous aurez plus de problèmes. Par contre, si vous mettez votre stop loss de manière un peu lambda et vous savez pas trop ce que vous faites, alors à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'on va réavoir ce genre de problème. Donc faites super attention et surtout, calculez l'achat et calculez la vente. Vous ne perdez pas votre temps, vous avez déjà les deux scénarios en tête avec les take profit et les stop loss, scénario achat, take profit stop loss, scénario baissier. Vous attendez la clôture et vous rentrez. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des problèmes de stop loss. Si oui, quel est le problème? Est-ce que vous ne savez pas où le mettre? Est-ce que vous le mettez trop près ou alors trop proche? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous aurez un accès à ma formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, on va voir ensemble des plateformes super ergonomiques pour que vous puissiez vraiment apprendre correctement. Ensuite, on va voir des stratégies de trading pour les débutants, un peu comme celle-là, une stratégie de tendance assez facile. Vous pourrez modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, on va voir des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on verra ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.